On y va. Ok, bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue au nom du Cercle des économistes, je suis Augustin Landier et je vais coordonner ce panel sur l'innovation qui est clairement un des grands sujets, complètement au cœur du sujet choisi cette année pour les rencontres. Donc pour les économistes, vous savez, traditionnellement en cours d'économie, on parle d'innovation au moment où on parle de la croissance. Et ce qui est intéressant avec la période actuelle, c'est que la croissance ne va plus de soi. Les gens s'interrogent sur quelle croissance veut-on. Et puis aussi l'innovation avec le changement climatique, le Covid, elle a été replacée comme un sujet qui concerne pas seulement la croissance, mais simplement la possibilité même de continuer à vivre, à opérer. C'est-à-dire que la répétition du passé n'est plus possible. Et donc ça, c'est aussi un angle nouveau sur ce sujet que les économistes revisitent beaucoup en ce moment. Et donc là, on a un panel très, très divers. On a la chance d'avoir des personnes qui travaillent dans des industries variées. Cyril Malarge, PDG, directeur général de Soprasteria. Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace. Vincent Lévita, le fondateur et PDG d'Infravia. Belinda Darquois, qui est en remote et qui interviendra donc, elle sera sur l'écran au moment où elle interviendra. Et Jeanne Paulès, présidente de Philip Morris France. Et donc vous voyez, ce sont des secteurs variés dans lesquels l'innovation percole. L'innovation, ce n'est pas seulement le changement des connaissances et les nouvelles technologies qu'on peut utiliser, c'est aussi comment ces connaissances et ces technologies percolent dans les organisations, dans le tissu productif de l'économie. Et donc, je vais demander à nos invités de prendre chacun 5 minutes pour nous dire comment, dans leur secteur, dans leur entreprise, dans leur expérience, cette percolation des nouvelles technologies et du changement se produit. Et donc, ça sera la première partie de cette session, une sorte de plantage de décor, en quelque sorte, où chacun va nous donner, de son point de vue, de là où il est dans l'économie, comment se manifeste cette percolation de l'innovation dans le travail. Et puis, en deuxième partie, je demanderai à chacun, je poserai une question à chacun. Ça sera des questions qui seront plus liées à la question de comment articuler l'innovation dans les entreprises privées et le rôle de l'État, le rôle du régulateur, le rôle des politiques publiques. Et enfin, on ouvrira le débat à la salle. Et donc là, ça sera à vous de nous donner vos questions et on aura une interaction avec nos invités. Et donc, sans plus attendre, je vais lancer notre premier invité, qui est Cyril Malarge, directeur général de Soprasteria. Cyril, est-ce que tu veux nous dire... Oui. Ouais. Merci Augustin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le thème de la conférence, c'est effectivement la transformation par le progrès technologique. Et moi, j'aime bien revenir toujours sur il y a transformation que s'il y a acceptation de la transformation. Et donc, il y a acceptation... la transformation par le progrès, que c'est l'acceptation du progrès. Et finalement, ce rapport que chacun peut avoir avec le progrès, c'est toujours quelque chose d'intéressant à regarder, sans remonter des millénaires en arrière. Quand on prend les années 60 et après, sous l'impulsion des De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, on est sur un progrès technologique qui est synonyme de prospérité, de richesse, de progrès social. C'est le Concorde, c'est le TGV, etc. Puis après, il y a eu le désenchantement. Il y a eu le désenchantement et le progrès technologique était de moins en moins audible. C'est la mondialisation à l'excès, c'est la désindustrialisation de notre territoire, c'est les scandales médicaux, je pense au sang contaminé par exemple, c'est dernièrement le Mediator, c'est les problèmes écologiques des dernières décennies, je pense à Tchernobyl, je pense au gaz réfrigérant HCFC. C'est la parole publique et la parole politique qui a disparu, qui ne s'exprime plus sur des grands chantiers, sur l'innovation, sur la R&D, etc. Ce qui fait qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Avant la pandémie, début 2020, il y a un sondage d'Ipsos qui dit que 3/4 des Français considèrent qu'ils sont devenus beaucoup trop dépendants par rapport au progrès technologique. Voilà. C'est ça le point de départ d'il y a 2 ans quand même. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a eu la pandémie, mais finalement, on est, je crois en tout cas, à un moment absolument favorable et à un moment clé, parce que finalement, on doit réagir. On a dû réagir face à la situation sanitaire. On doit réagir face à des nécessités de souveraineté qui se sont fait jour en conséquence de cette situation sanitaire. Et puis surtout, on doit réagir face à la situation écologique. Finalement, quand on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années,
On a mis un an pour produire un vaccin avec une technologie pour laquelle il y a eu beaucoup de défiance, rappelez-vous. 10 fois moins de temps que d'habitude. Au départ, les Français, à 40%, voulaient se faire vacciner. À l'arrivée, c'était 80%. On a eu le télétravail, 3% en 2017, 41% en 2021. Février 2021, 40 fois plus de téléconsultations qu'en février 2020. 19 millions de téléconsultations en moins d'un an. Voilà. Et donc, quelque part, moi, par rapport à ça, ça me donne de la confiance, hein, parce que finalement, le vrai enjeu qui se présente devant nous, c'est l'enjeu écologique. C'est l'enjeu écologique parce que vous avez tous lu le rapport de GIEC en avril 2022. On a trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Et donc forcément, sans progrès technologique, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Et donc on doit apprendre à consommer moins et à consommer mieux. Et c'est forcément par le progrès technologique qu'on va y arriver. Parce que quelque part, on doit prendre des décisions, j'ai envie de dire, limite brutales. Limite brutale, et c'est le progrès technologique qui doit nous permettre de prendre ces décisions et qui doivent permettre de faire en sorte qu'elles soient accessibles et qu'elles soient digestes. Et donc j'en viens au numérique, hein, parce que c'est quand même mon métier. Hein. Évidemment, la place du numérique dans tout ça, elle est absolument fondamentale. Elle est absolument fondamentale parce que c'est bien le numérique qui va permettre justement d'accélérer cette possibilité et cette capacité. Voilà. Et c'est d'autant plus important pour le numérique que le numérique se cherche. On a besoin de talents, d'accord ? Et on a besoin d'une mission, finalement, auquel le numérique, mais pourquoi faire ? Ben, j'ai envie de dire pour quelque part contribuer à sauver le monde. Et moi, mes clients, hein, puisque tu m'as interrogé sur nos clients aussi, nos clients aujourd'hui, leur préoccupation, c'est comment je fais pour être zéro émission nette le plus tôt possible. Et donc, quelque part, évidemment, le numérique, il contribue fortement à ça. Juste un chiffre, chez Soprasteria, nous avons formé en un an 16 000 de nos collaborateurs à des gestes d'éco-conception, éco-développement, éco-opération, pour faire en sorte de construire des systèmes d'information qui soient le moins énergivores possible. Donc, j'aimerais finir là-dessus. Oui, on est à un moment clé. Moi, je suis très confiant, parce qu'aujourd'hui, il y a un alignement des planètes. On a besoin de réagir. Je crois que les citoyens ont compris que le progrès pouvait être un véritable levier. Et à l'intérieur de ça, le numérique, plus que jamais, et ça tombe d'autant mieux qu'on a besoin de talents et que quelque part, on a une vraie mission pour pouvoir servir ces défis qui se présentent devant nous. Merci. Voilà. Merci. Et donc notre intervenant suivant, Stéphane Israël, qui va nous parler du spatial. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, effectivement, quelques mots sur l'espace. Bon, d'abord, donc moi, je dirige Ariane Espace. Nous sommes l'entreprise qui exploite et met en œuvre les fusées européennes, la plus connue étant Ariane, mais il y a aussi une fusée qui s'appelle Vega. Et notre actualité récente, vous avez dû en entendre parler, on a eu un très beau partenariat avec la NASA, on a lancé le James Webb télescope qui va donner ses premières images le 12 juillet, donc je vous invite à être attentif à ce qui va se passer sur le site de la NASA le 12 juillet, on va mieux comprendre d'où on vient, et puis on a signé avec Amazon pour une énorme commande de 18 lanceurs Ariane 6 pour déployer la constellation d'Amazon. Alors justement, ça fait transition avec qu'est-ce qui se passe dans l'espace. En fait, on est dans le troisième âge de l'espace. Le premier âge, c'était l'âge des puissances, la rivalité Est-Ouest, la Russie et les États-Unis. Cet âge, il s'est à peu près terminé quand le programme Apollo s'est fini en 1973. Et d'ailleurs, ce sont beaucoup des ingénieurs qui avaient été formés dans le programme Apollo et donc dans toute la puissance que cela a pu signifier, qui ont ensuite essaimé vers la création d'Internet aux États-Unis. Donc on voit que l'espace a un lien avec des disruptions fondamentales. Le deuxième âge, ça a été un âge assez stable entre les années, on va dire, 1975-80 à peu près 2010, où le marché était assez stabilisé, les acteurs étaient assez stables. Il y avait 20 à 25 satellites de télécommunications commerciaux à envoyer en orbite. Il y avait Ariane et puis quelques lanceurs russes et la navette spatiale américaine. Il y a toujours la station spatiale et quelques satellites d'observation de la Terre.
C'est un moment où certains diront que l'espace s'est embourgeoisé, il s'est aussi consolidé. Et puis on est à un moment maintenant dans ce que j'appellerais le troisième âge de l'espace, qui est complètement disrupté. Alors cette disruption, elle est liée à plusieurs facteurs qui s'auto-entretiennent. C'est le gouvernement américain qui a décidé d'acheter autrement ses services, et non plus de faire directement, mais de passer d'énormes appels d'offres à des acteurs dits privés. Et c'est comme ça que SpaceX s'est lancé. SpaceX, c'est 18 milliards du gouvernement américain depuis qu'il a été fondé, mais sur la base d'une initiative privée. Donc, de nouveaux modes de commande publique aux États-Unis qui vont permettre l'arrivée de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, les deux hommes les plus riches au monde, M. Bezos et M. Musk, sont dans l'espace. Ils n'y étaient pas il y a quelques années. Et si vous voulez, une baisse drastique des coûts d'accès à l'espace, aussi bien du côté des lanceurs que du côté des satellites. Et cette baisse, elle est permise par des nouvelles technologies. Du côté des satellites, je vais donner quelques exemples. Avant, un satellite avait besoin d'emporter énormément de carburant pour ensuite se déplacer en orbite. Avec la propulsion électrique, vous éliminez cela et vous avez des satellites deux fois moins lourds, ce qui coûte en réalité donc deux fois moins cher à être emporté. Les satellites étaient assez figés. Ils arrosaient une zone avec des capacités de données limitées et puis des temps de latence importants. Ces trois barrières ont été aujourd'hui craquées. Vous avez ce qu'on appelle des antennes flexibles qui permettent aux satellites de se reconfigurer. Vous avez des capacités de transmission de données et de liaison intersatellite en orbite qui ont aussi complètement explosé. Et puis, avec l'orbite basse, vous avez maintenant des satellites qui peuvent permettre des applications Internet beaucoup plus larges qu'avant. Et dans le domaine de l'observation, là où vous aviez une capacité de résolution qui était de plusieurs mètres, parfois de 10 mètres, aujourd'hui, c'est 30 cm. Et donc, vous pouvez quasiment voir une plaque minéralogique depuis l'espace. Du côté des fusées, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été effectivement la révolution de la réutilisation. La navette était un lanceur réutilisable qui en fait avait échoué parce que ça coûtait très 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 cher de remettre en état la navette entre deux lancements. Et avec la récupération de notre concurrent SpaceX de son premier étage, là il y a une technologie qui a trouvé un équilibre économique qui n'existait pas avant. Donc, vous avez une baisse drastique des coûts d'accès à l'espace, une démocratisation de l'espace et fondamentalement un phénomène que j'appelle la ruée vers l'orbite basse. L'orbite basse, donc entre 500 et 1500 km de la Terre, va servir de plus en plus à observer, c'était déjà le cas, mais aussi à connecter. Et donc, c'est tous ces énormes projets de constellations en orbite basse. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a aujourd'hui 5000 satellites en orbite opérationnelle, essentiellement en orbite basse. Il y en aura 50 000 dans 10 ans. Et le marché spatial, qui avait une valeur à peu près de 300 milliards de dollars, va passer à 1100 milliards de dollars. Donc, vous voyez une mutation énorme. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que font les Européens? En matière de satellites, les Européens sont totalement à la pointe sur ces satellites reconfigurables. Airbus et Thales sont les meilleurs, d'excellents produits. Je le dis parce que nous lançons les satellites aussi des Américains et nous sommes parfaitement neutres. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Airbus et Thales sont d'excellents produits reconfigurables. Et du côté des fusées, on peut dire deux choses. Nous allons passer d'Ariane 5 à Ariane 6. Nous sommes dans une évolution incrémentale. Ariane 6, on va le dire, c'est à peu près deux fois mieux qu'Ariane 5. C'est deux fois mieux parce que ça coûte deux fois moins cher. C'est deux fois mieux parce que ça permet de faire des missions beaucoup plus complexes avec un moteur en orbite réallumable. Ce sont de nouveaux procédés industriels aussi qui nous permettent de baisser les coûts. On va tout faire à l'horizontale alors qu'on faisait les choses à la verticale d'un point de vue industriel. Il y a l'impression 3D, mais c'est avant tout une évolution incrémentale. Et cette évolution incrémentale va nous permettre d'accrocher ces nouveaux segments de marché, comme les constellations, c'est le contrat qu'on a signé avec Amazon. Et en parallèle, parce qu'il faut savoir marcher sur ses deux jambes, en parallèle et pas à la place d'eux, on travaille sur des technologies plus disruptives, on prépare un nouveau moteur qui sera, lui, réutilisable, qui sera à l'oxygène et au méthane. On prépare, c'est notre maison mère Ariane Group qui le fait, une démonstration de récupération d'étages. On intensifie tout ce qui est technologie impression 3D. Et donc, lors de la décennie 2030, ça nous permettra d'avoir une nouvelle famille de lanceurs. Mais j'insiste sur le fait que nous avons une stratégie
qui est à la fois incrémentale et disruptive. C'est aussi le produit de notre histoire et de notre gouvernance. On pourra y revenir. Atterrir, et juste pour terminer, puisque je ne sais pas si Augustin me dit que j'ai déjà trop parlé ou j'ai déjà dit trop de bêtises, donc juste pour finir, ce progrès technologique, il pose des questions de soutenabilité. Avoir autant de satellites en orbite, ça pose quand même énormément de questions sur la capacité de l'espace à rester propre et durable. Et donc le progrès technologique, c'est bien, mais il faut aussi investir ce progrès dans ce qui permettra de le rendre durable. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Lévita. Alors Vincent, du point de vue d'un investisseur, l'innovation. Alors oui, bonjour à tous. Donc, juste pour commencer des généralités, le titre du panel en fait sur le progrès me rappelait que il y a quelques années en fait il y avait une espèce d'évidence dans la transmission du progrès. Donc le progrès technologique était censé amener du progrès économique, donc plus de richesses, qui permettait du progrès social, donc plus de redistribution, qui lui-même permettait du progrès politique, donc plus de démocratie, et finalement du progrès géopolitique, plus de paix. Et cette transmission du progrès, j'ai l'impression qu'on l'a oublié, en tout cas elle est moins évidente. C'est dommage, mais il faut se poser pourquoi. Si on regarde quand même sur longue période, le progrès technologique a permis d'améliorer les conditions de vie. Je pense que sur 100 ans, ça ne se discute pas. A permis la globalisation, les échanges, la culture, a permis également l'augmentation des richesses générales. Mais bon, ça a aussi permis, ça a aussi causé la pollution de la planète, ça a aussi causé la concentration des richesses, ça a aussi causé des problèmes démographiques non maîtrisés, etc. Alors effectivement, du point de vue du financier, donc moi je dirige Infravia c'est un fonds d'investissement qui à la base était focalisé sur les infrastructures, donc vraiment quelque chose de pas technologique, donc les ports et les aéroports et les autoroutes. Et puis la technologie, elle ne nous a pas demandé notre avis, donc du coup elle est rentrée partout, donc on a financé finalement de la transition énergétique, donc du renouvelable en particulier, du stockage, on a financé de la santé, on a financé de l'éducation, et bien sûr on a financé des infrastructures digitales, et on a financé aussi des sociétés de technologie pour organiser et opérer tout ça. Donc si je prends quelques thèmes, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, si je prends le thème de la transition énergétique, évidemment, il ne faut pas négliger le fait que le progrès technologique a permis de passer des technologies de renouvelables à un niveau de compétitivité complètement majeur. Il y a 15 ans, il fallait subventionner à 90% le renouvelable pour pouvoir le financer. Aujourd'hui, il est compétitif. Même avec les prix actuels, il est plus que compétitif. L'État se refait de l'argent sur ses subventions. Le stockage, demain l'hydrogène, tout ça, ça a été permis par le progrès technologique. C'est pas fini, il reste tout un tas de choses à faire, optimiser l'efficacité, optimiser le recyclage. C'est encore des domaines où le progrès technologique doit aider. Le point que je veux faire aujourd'hui, c'est la technologie. Finalement, c'est des ingénieurs, c'est des industriels, c'est des choses qu'on sait faire. C'est assez programmatique, il faut du temps, il faut du travail, il faut des ressources, bien sûr, il faut des compétences. Ce qui est plus compliqué, c'est l'organisation, c'est la gouvernance, c'est de faire fluidifier tout ça de la partie recherche jusqu'à la partie industrielle. C'est que l'État aide sans trop aider, parce que finalement, au bout d'un moment, quand ça marche, c'est mieux s'il s'en mêle le moins possible. Mais par contre, c'est une politique publique qui, elle, est venue de l'État. Sur le renouvelable, par un exemple tout simple, qui est parfois controversé, mais il y a eu une politique publique sur 20 ans qui a permis de passer à un système compétitif, qui n'a pas été parfait, on a raté certains espaces, mais l'État met une politique publique, les industriels font de la recherche, industrialisent, les financiers financent, les financiers finalement c'est le plus simple, c'est quand ça marche, ils financent. Pour prendre, je peux parler de la mobilité, effectivement, je peux parler de l'éducation. Très court. Juste un mot sur la santé, ça a déjà été dit sur la santé, mais effectivement, on a quand même trouvé un vaccin en 12 mois, on a organisé le télétravail du monde. En quelques semaines, le monde s'est mis à télétravailler, c'est quand même une performance qu'il faut noter. Bien sûr, ça a mis en lumière tout ce qui ne marche pas dans la santé. Le problème des capacités, le problème des compétences, les horaires de travail absurdes, etc. La technologie peut aider à tout ça. Donc mon point, c'est de dire, le progrès technologique, il a fait son travail,
Il y a encore du travail à faire. On peut rêver d'un système où le patient, pour prendre la santé, il est accompagné tout au long de son parcours, que ce soit chez lui, à l'hôpital et dans les maisons de retraite. On peut rêver d'un système où l'énergie soit beaucoup mieux planifiée, organisée. La technologie sera là. Ce dont on a besoin, en fait, pour que ça marche, c'est une politique publique simple et constante dans le temps, où l'État prend un peu de recul, pas un peu de vision, ne se contente pas de mettre des subventions, ça ne suffit pas. C'est des compétences également. C'est bien sûr la question des compétences et clés. Donc jusqu'à maintenant, les Français ont été plutôt bons là-dedans. On a parmi les meilleurs ingénieurs. Il faut faire attention à le garder et il faut faire attention à savoir les conserver, les utiliser. Et finalement, le financement, ça sera le plus simple. L'argent, il est disponible. Les financiers, ils sont simples. Ils sont malins, mais ils sont simples. Quand ça marche, ils financent. Quand ça ne marche pas, ils ne financent pas. Donc pour ça, on a besoin d'un cadre simple. C'est ça que nous, on fait. Vincent, il faut qu'on conclue. Super. C'est le message, en fait, il est de la convergence des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs industriels, des acteurs financiers. C'est comme ça qu'on fait fructifier le progrès technologique. Merci. Alors maintenant, nous avons Belinda Darquois en distanciel. Et donc, je pense que voilà, nous allons la voir s'afficher sur l'écran. Et donc, Belinda est coordinatrice nationale du Ghana Tech Lab. Belinda, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre activité, la manière dont elle se raccroche au thème de l'innovation? Vous avez la parole. Thank you. Merci. Merci pour cette introduction. Je m'appelle Belinda Darquois et je travaille avec Atlantic Lab. Je suis Community Associate et je suis représentante de la communauté tech au Ghana Tech Lab. Nous aidons les startups à travers le pays de se construire. Nous faisons de la formation sur les compétences. Depuis quelques années, on s'est rendu compte au Ghana que d'autres pays progressent plus vite que nous et la technologie est vitale. Et les individus qui savent utiliser les technologies sont importants. C'est ce qui se passe dans les autres pays. Ils arrivent à croître grâce à cela. En Ghana, en tant que pays en voie de développement, nous avons trouvé à Ghana Tech Lab que c'était vital de proposer des formations qui aideraient les jeunes au Ghana qui sont au chômage de pouvoir comprendre l'impact de la technologie et comment on peut l'utiliser comme levier pour atteindre l'emploi et pour construire des entreprises et des startups. Depuis quelques années au Ghana, la transformation digitale a été lente. Si l'on se compare avec d'autres pays, l'accélération au Ghana en termes de digitalisation a été lente, mais nous avons vu l'introduction d'innovation comme Ghana Tech Lab, qui ont pu proposer des formations même dans des endroits très reculés. Grâce à cette transformation, nous avons pu former plus de 2000 individus qui étaient au chômage et qui ont maintenant des compétences qui peuvent les ramener à l'emploi. Et beaucoup d'entre eux se concentrent sur leur propre entreprise. Les incubateurs et les accélérateurs sont plus présents au Ghana. L'État essaie de proposer de nouveaux programmes de formation pour aider les jeunes à comprendre la digitalisation et comment ils peuvent l'utiliser comme un levier pour améliorer leur pays. On a des partenaires comme la Banque mondiale qui ont investi. Et le Ghana Tech Lab bénéficie de ces fonds. On voit que le pays et le gouvernement comprend l'intérêt de bénéficier de cette technologie pour faire avancer le pays. Dans certaines parties du pays,
on ne bénéficie pas encore de ces technologies à cause de leur localisation. En Ghana, tout se passe dans la ville capitale Dakar. Donc, si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas accès à tous les bénéfices. Ghana Tech Lab comprend cela et essaie de montrer qu'on a des partenaires à travers le pays. Donc, si vous vous trouvez dans des endroits reculés du Ghana, vous pouvez toujours bénéficier de ces formations. Il est clair que nous devons faire davantage en tant que pays. Nous devons progresser. Beaucoup de sociétés se sont rendues compte qu'il fallait travailler de chez soi et ce n'était pas évident. On ne travaillait pas de cette manière. Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des technologies qu'on pouvait utiliser, on a commencé à travailler avec et on a vu que les personnes ont compris qu'il fallait utiliser la technologie pour travailler de leur domicile. La plupart des pays, les sociétés permettent à leurs employés de travailler de manière distancielle. Il y a 3 ans environ, les startups ont pu demander de l'aide pour aider à développer leurs activités, leurs programmes. Ce programme a été lancé l'année dernière et c'est ce que nous essayons de faire chez Ghana Tech Lab. Nous essayons d'ouvrir l'espace technologique pour permettre à davantage de personnes de bénéficier de la technologie et nous supportons des programmes de développement d'incubateurs pour aider les entrepreneurs à démarrer leur société. Pour Ghana, nous devons encore faire beaucoup. Nous devons continuer les conversations pour comprendre comment on peut transformer notre économie grâce à la technologie. On a besoin d'investissement, de collaboration en interne et en externe. Évidemment, d'autres pays ont les connaissances et les compétences et nous devons avoir accès à ces compétences afin de transférer les connaissances dans notre pays pour permettre aux jeunes au chômage au Ghana de bénéficier de ces choses. Évidemment, on a un besoin d'infrastructures et d'autres investissements. Si le projet est bon, on va attirer de l'investissement. Pour cela, nous devons être sûrs que tout le monde soit autant équipé et c'est ce qu'on essaie de faire au Ghana Tech Lab. Merci, Belinda. Ok, Nao Jeanne Paulès, président Philip Morris France. Donc, on retourne aux Français. Et, Jeanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment chez Philip Morris l'innovation est un thème majeur? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, je souhaiterais souligner que la transformation par le progrès technologique n'a de sens que s'il se fait avec la volonté d'avoir un impact sur le collectif et pour le bien commun. Et je rajouterai à ça qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise est l'une des solutions aux problèmes du monde. Et je crois que la crise du Covid à laquelle on vient de passer, on l'a vu, vous y avez fait référence, en un temps record, un vaccin a été développé et sans les entreprises, ceci n'aurait pu voir le jour. Donc, sur ce principe-là, Philip Morris International, qui est le leader des cigarettes dans le monde, si on exclut les monopoles d'État tels que la Chine, a investi pour pouvoir développer des solutions aux conséquences du tabagisme sur la santé humaine. Donc nous avons investi plus de 9 milliards ces dernières années en recherche et développement pour développer des solutions
qui soit un meilleur choix pour les fumeurs que de continuer de fumer. Ces solutions sont basées sur le principe simple qu'ils ne brûlent pas, que ce soit du tabac ou de la nicotine liquide, mais qu'ils chauffent le tabac ou la nicotine liquide au travers des cigarettes électroniques. Ceci vient du fait qu'aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que la cigarette, la problématique n'est pas sur le tabac ou la nicotine, mais bien sur la combustion. Parce qu'il y a combustion, il y a fumée, et dans la fumée que vous inhalez sont présents plus de 6000 produits toxiques, nocifs ou potentiellement nocifs. Donc, ces alternatives sans combustion sont un bien meilleur choix pour les 1 milliard de fumeurs qui existent dans le monde. Ensuite, nous avons aussi déposé plus de 1700 brevets auprès des 5 offices de propriété intellectuelle dans le monde. Et enfin, nous avons ces dernières années créé une équipe de plus de 1000 chercheurs, scientifiques, techniciens, pour justement nous permettre de développer ce portefeuille qui sont une meilleure solution pour les fumeurs, mais aussi bien évidemment continuer de développer des nouvelles technologies qui serviront les fumeurs. Alors, notre ambition, elle est ambitieuse, mais elle est tout à fait atteignable. Nous nous inscrivons dans le fait de construire un monde sans cigarettes. C'est tout à fait possible aujourd'hui puisqu'il existe ces technologies, mais nous le verrons plus tard aussi. Ceci n'est possible que si effectivement la puissance publique s'empare aussi de ce sujet. Alors, dans notre ambition à moyen terme, pour 2025, nous prévoyons que 50% de notre activité sera basée sur ces alternatives sans combustion et qu'il y aura 40 millions de fumeurs dans le monde qui, grâce à ces alternatives, auront quitté la cigarette. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, au premier trimestre de cette année, 30% de notre activité était basé sur les alternatives sans combustion et plus de 20 millions de fumeurs dans le monde ont basculé sur un produit du tabac à chauffer dont plus de 70% d'entre eux ont complètement quitté la cigarette. Mais on ne s'arrête pas là puisque notre ambition, comme je le disais, c'est vraiment de construire un monde sans cigarette. Et notre président du monde l'a dit il n'y a pas si longtemps, il est tout à fait possible d'envisager, dans les pays où les pouvoirs publics s'emparent du sujet, d'éradiquer la cigarette. Et là, on parle de 10 à 15 ans. Donc on n'est pas sur quelque chose de très long terme, plutôt moyen terme, et c'est tout à fait possible. Mais la condition sine qua non vient du fait que, bien évidemment, les entreprises doivent investir pour développer des technologies, pour développer des solutions. Le consommateur doit aussi lui faire l'effort de pouvoir basculer sur cette nouvelle technologie. Et c'est là où l'État a un rôle prépondérant. L'État se doit de regarder avec un œil neuf, ouvert, basé sur la modernité, quelles sont les solutions qui existent pour pouvoir justement construire un environnement qui aide à l'appropriation des consommateurs. Et c'est vrai que si je reviens en France, où on par inertie administrative ou peut-être par manque de courage ou peut-être par le sous couvert du principe de précaution, les pouvoirs publics ne sont pas encore aujourd'hui dans cette démarche de modernité, de regarder ces produits pour justement pouvoir offrir aux fumeurs un meilleur choix que de continuer de fumer. Donc pour conclure, je souhaiterais dire que le progrès technologique n'a de sens que si à un moment donné on établit un dialogue de qualité entre la puissance publique et l'industrie pour servir le monde, pour construire un monde meilleur, certains en ont parlé, de progrès, de transformation. Et bien évidemment, la technologie et l'innovation est un des moyens pour y arriver, mais n'est pas une fin en soi. Merci. Merci d'avoir réussi à tenir ce timing serré. Et alors maintenant, ça va être encore plus serré. Je vais vous poser une question. Vous aurez une minute pour y répondre. Et essayons d'en faire quelque chose de concret. Donc, ce que je voudrais vous demander à chacun, c'est un exemple d'intervention publique, de politique publique qui serait utile pour favoriser l'innovation dans votre écosystème et qui ne soit pas simplement une subvention, quoique, je suis ouvert. Mais voilà. Un exemple un peu concret de quelque chose où il y aurait un déblocage en quelque sorte à faire, une intervention publique qui serait utile. On va reprendre le même ordre que tout à l'heure.
Ok, Augustin. Je vais faire assez court. Je reprends ce que disait Jeanne. Effectivement, les entreprises portent une grande partie de la solution, mais les entreprises, elles ont besoin d'être soutenues, effectivement. Et moi, j'ai en tête quelque chose d'assez concret. Si on veut accélérer le progrès technologique, il faut accélérer les capacités d'innovation et de R&D. Et donc, avoir une sorte de crédit impôt recherche dédié à une trajectoire zéro émission nette, mais richement dotée, ça permettrait d'être extrêmement incitatif et de donner des moyens aux entreprises d'apporter des solutions encore plus vite. Voilà, ça, c'est un exemple concret. D'accord. Stéphane Israël. Bon, nous, c'est un secteur un peu particulier parce qu'on ne peut pas avoir une multiplication des acteurs dans un secteur aussi stratégique. Donc, pour être très rapide, nous, en fait, on a besoin de deux choses. On est d'abord l'expression d'un co-investissement public et privé depuis 40 ans dans la filière des lanceurs, avec des règles qui sont assez contraintes. Et Ariane 5 a été cette expression, et Ariane 6 l'est aussi. Et il faut maintenant faire fonctionner cela, donc il faut que chacun tienne ses engagements. Et ça veut dire que du point de vue du secteur public, on a besoin de continuer à consolider les investissements autour d'Ariane 6 avec les règles du jeu qui sont les siennes. Et sans être long, nos règles du jeu, c'est que quand un État donne de l'argent, l'emploi est chez lui. Ça s'appelle le retour géographique, c'est comme ça. Mais la contrepartie, c'est que les États sont au rendez-vous pour investir. Et après, ce dont on a besoin, et c'est un peu complexe, pour préparer la suite du film, pour préparer la nouvelle génération, on a à la fois besoin de stimuler davantage de compétition interne, mais de ne pas le faire de façon, d'une façon qui détruirait la solidarité européenne, parce que quand on est confronté à ce à quoi on est confronté aux États-Unis, on ne va pas le faire chacun de notre côté. Et donc, il faut imaginer un système où il peut y avoir un moment des compétitions par des projets sur des briques technologiques, des nouveaux éléments de fusée, mais qui permettra une reconvergence. Et c'est toute la question de la façon dont les agences publiques, beaucoup l'agence européenne, parfois la Commission européenne, organise cette compétition interne pour qu'elle permette plus d'innovation, mais qu'elle permette aussi de garder des solidarités entre les trois grands pays qui sont au cœur des lanceurs européens, la France, l'Allemagne et l'Italie. Merci. Vincent ? Oui, moi j'insisterai sur l'éducation, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, tout le monde se plaint de ne pas trouver les bonnes ressources, en particulier dans les entreprises technologiques. Tout le monde se plaint que les jeunes ne sont plus disponibles, ne sont plus adaptés. Personne ne se demande si ce n'est pas les jeunes qui ne sont pas adaptés à l'école, mais si ce n'est pas l'école qui n'est pas adaptée aux jeunes. Moi, je dis, jouez à des jeux vidéo avec vos enfants, vous verrez qui est le plus adapté au monde moderne. Vous verrez s'ils ont perdu leur capacité de concentration et vous verrez qui... Et vous verrez qui est le mieux préparé. Donc moi, je rêve d'une politique publique où, évidemment, on forme les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, à la technologie, au progrès technologique, mais aussi où on utilise le progrès technologique et les nouvelles méthodes pour diffuser une éducation de masse de manière plus personnalisée et de manière plus rapide. Merci. Belinda, donc je pense qu'on... Voilà. Donc Belinda, sur de... Yeah. Oui, pour moi, je parlerai de compétences. Bon, on réalise qu'il y a beaucoup d'opportunités lorsqu'il s'agit de la technologie pour les jeunes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les compétences qui leur permettraient de profiter de ces opportunités. Donc, il doit y avoir des politiques. Je sais que le Ghana, il y a eu au Ghana... une politique justement dans ce sens, mais il doit y avoir des politiques qui permettent aux individus d'acquérir des compétences qui leur permettent de profiter de ces opportunités dans le domaine technologique. Il doit y avoir également des politiques qui soutiennent l'innovation au Ghana. Donc c'est bien de démarrer une entreprise, tout ça, mais le processus est tellement rigoureux et peut-être qu'on va abandonner à cause de la complexité. Donc il faut des politiques qui permettent d'encourager l'innovation, qui facilitent les tâches pour les individus, d'acquérir des compétences d'abord et à partir de là, d'être en mesure de démarrer leur propre activité. Des entreprises dans la tech, et ça aidera le pays d'aller de l'avant, d'aider les jeunes, d'acquérir des compétences et puis de démarrer facilement leurs activités. Merci. Alors, là, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais la puissance publique est un acteur essentiel à la diffusion du progrès technologique et à son appropriation par les consommateurs. Donc, son rôle est majeur
Et voilà pourquoi, si je reviens à nos produits et au développement qu'il y a pu y avoir sur de nouvelles alternatives, il est urgent que les pouvoirs publics s'emparent de la science existante, qu'ils montrent signe de curiosité, si besoin, qu'ils développent encore plus de science pour être encore plus rassurés sur le fait que ces alternatives soient un bien meilleur choix que de continuer de fumer. Et je voudrais partager avec vous quelque chose d'intéressant. C'est en début d'année, il y a eu une étude menée par l'IFOP qui apparaissait que 70% des Français sondés pense qu'il serait utile ou très utile qu'un organisme de santé publique fournisse des informations scientifiquement vérifiées sur les alternatives sans combustion. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien que même l'opinion publique attend un rôle majeur de l'État sur des sujets sensibles tels que ceux-là, et qu'à un moment donné, cette envie de sortir un peu d'une approche dogmatique, un peu ancestrale, ancienne, sans tenir compte des progrès technologiques, n'est plus d'actualité. Et par cette inertie, finalement, il y a une manque de chance énorme pour les 11 millions de fumeurs français quotidiens, 15 millions si on rajoute les occasionnels. Donc oui, l'État a un rôle majeur et rien ne peut se faire sans cet échange entre les pouvoirs publics, l'entreprise et bien évidemment les consommateurs. Merci. Ben, le moment est venu d'interagir avec la salle. Donc vous pouvez faire passer vos questions. Et nous allons les réceptionner. Je peux démarrer. Nous avons déjà un petit stock de questions. Alors, voici une première question qui s'adresse à Stéphane. Les activités spatiales occasionnent la dégradation de l'environnement spatial. Au regard de cela, quelles précautions prenez-vous pour être plus responsable dans le cadre de cette activité ? D'abord, l'espace sert fondamentalement à mieux vivre sur Terre et à y vivre de façon plus durable. Donc ça, c'est quand même la première chose à dire. C'est grâce à l'espace qu'on a des capacités de surveillance, par exemple, du changement climatique. 26 des variables climatiques essentielles ne peuvent être surveillées que depuis l'espace. Et l'espace sert d'abord au développement durable par les applications qu'il génère. La deuxième chose, c'est que du côté des lanceurs, il y a en France une loi sur les opérations spatiales, et c'est d'ailleurs sans équivalent. Et pour Ariane 6, on aura l'obligation de laisser derrière nous un espace propre, c'est-à-dire que notre étage supérieur, au lieu de rester, comme c'est le cas aujourd'hui, dans l'espace, on va devoir le déorbiter, et donc il ne laissera aucune trace dans l'espace. Ça nous coûte, on perd de la performance de la fusée pour faire cela. Nos chers amis compétiteurs outre-Atlantique n'ont pas cette contrainte. Eh bien, nous l'avons. Ça veut dire qu'au lieu d'emporter quelques satellites, on doit faire cela. Mais c'est notre contribution et c'est parfaitement normal à un espace durable. Après, la troisième question, elle est plutôt du côté de nos clients, donc les opérateurs de satellites. C'est tout le défi de la façon dont la surmultiplication des satellites en orbite basse va être compatible avec un espace durable et une orbite basse durablement praticable. En France, encore une fois, il est demandé aux satellites, une fois qu'ils ont fini leur travail en orbite basse, au bout de 5 à 7 ans, d'être déorbités, d'avoir une réserve de carburant qui permet de libérer l'orbite. Il va falloir investir dans à la fois des régulations, c'est ce qu'on appelle le management du trafic spatial, mais aussi des nouvelles technologies qui permettront, là où il y a des junk satellites, d'aller les chercher, les déorbiter. Il y a déjà beaucoup de projets, mais effectivement, il faudra des cahiers des charges extrêmement rigoureux pour que ces grandes constellations en orbite basse puissent coexister de façon harmonieuse et éviter les risques de collision. Et je dois dire que notre client Amazon, qui a un projet de 3300 satellites, donc c'est pas rien, est extrêmement sensible à ce point, a fait des propositions. C'est vrai aussi d'ailleurs d'un autre client qu'on a déployé, OneWeb. C'est moins le cas, il faut bien le dire, pour Monsieur Musk et SpaceX, qui ambitionnent de déployer 42 000 satellites en orbite basse et dont on n'a pas encore entendu des engagements très forts en matière de développement, de durabilité de l'orbite basse. Voilà. D'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas à intervenir. Le but, c'est d'avoir des échanges avec vous. Ouais, au premier rang. Il y a un micro qui arrive.
La capture carbone, vous êtes dans l'infrastructure. Quelles sont les technologies disruptives qui sont à maturité, tipping point, ou qui sont un peu encore loin, mais qui peuvent nous permettre d'espérer? Oui, oui, c'est des technologies qu'on regarde. Des projets sont en cours aujourd'hui chez les grands industriels, donc il y a du travail qui est fait. Aujourd'hui, il y en a qui marchent. La question, c'est toujours la même chose dans les progrès technologiques, et en particulier pour les financiers, c'est: est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche à grande échelle? Est-ce que c'est rentable? Donc aujourd'hui, ça marche pas encore à grande échelle, mais il n'y a pas de raison que ça le devienne pas. La rentabilité, évidemment, elle dépend du prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est la crise énergétique actuelle est une occasion probablement unique d'accélérer les recherches sur l'efficacité énergétique, qui, dans la transition énergétique, je l'ai dit, dans la transition énergétique, il y a transition, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui va être lourd, qui va prendre du temps. Dans la transition énergétique, probablement le côté efficacité énergétique a été sous-investi. La capture carbone, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Merci. On a le temps pour encore une question. Alors, une question. Oui, vous avez dit, Ariane Espace, là, que les satellites sortaient de l'orbite. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est une question toute simple. Eh ben, quand ils sont en orbite basse, ils se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Il faut faire attention parce qu'il faut éviter qu'il y ait des pollutions à ce moment-là, liées aux composants de ces satellites. Mais donc, normalement, au bout de 5 à 7 ans, quand ils tournent autour de la Terre et qu'ils ont fini de travailler, ils se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Et donc, ils laissent place à d'autres satellites qui pourront être envoyés. On a le temps pour encore quelques questions. Voilà, l'organisateur me dit qu'on a 3 minutes supplémentaires. Donc, une question ici. Est-ce que quelqu'un peut amener un micro ? Oui, j'ai une question pour Belinda. Il faut que je la pose en anglais ou en français ? En anglais, je pense que ça se répond. Ok, so Belinda. Bon, Belinda, comment est-ce que vous développez des technologies dans un pays où l'énergie, l'électricité sont absents ? Enfin, sont en... Vous manquez d'électricité. Quel programme est-ce que vous allez mettre en œuvre pour développer justement le secteur énergétique et électrique au Ghana? Bon, il y a des projets, mais ça veut... Bon, on a des problèmes de ce côté-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'électricité au Ghana, mais il y a parfois des ruptures. Bon, alors, la formation que l'on propose aux individus qui... lance des start-up tech, ben, on a des partenaires partout dans le pays. Donc, nous avons décentralisé les formations. Et donc, si les formations sont proposées, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec les routines dans ce cas-là. Bon, on essaie de proposer aux individus d'avoir accès à des endroits où il y a l'énergie. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on fait des sessions aussi à distance, et puis cela, effectivement, permet à des gens qui disposent de l'électricité de profiter de ces formations. C'est ce qui répond à votre question, donc je suis au cas par cas. Le micro est déjà là, allez-y. Voilà, une question pour Stéphane Israël. Je suis avec Zefalto, un programme aérospatial qui développe du tourisme bas carbone, une expérience spatiale bas carbone, et je me demande quelle est la position d'Ariane Group sur le tourisme orbital, sachant que il commence très fort aux États-Unis. Comment on se positionne au niveau européen? Bon, d'abord, on va se faire cette confidence, on se connaît, il me semble, et donc ça montre que Ariane Group, Ariane Espace, et c'est vrai aussi dans le domaine des satellites, travaillent avec des start-up, et ça c'est très important. Je crois complètement idiot d'opposer les deux écosystèmes. C'est idiot et c'est destructeur. Chaque écosystème a besoin de l'autre. Et donc, effectivement, votre projet est extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est que si c'est un tourisme spatial bas carbone, tant mieux, et vous y travaillez. Si, en revanche, à la faveur de ces déplacements dans l'espace assez limités, ça contribue à augmenter les émissions, ça me paraît quand même pas l'optimum ou l'optimal.
Voilà, moi, je dois dire, une grande passion pour ces expériences de tourisme spatial actuel. Je pense, en revanche, et ils peuvent peut-être y contribuer, que si la question, c'est est-ce qu'il y aura de plus en plus d'hommes de façon permanente dans l'espace, entre la Terre et la Lune ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on aura une capacité à avoir une présence permanente de l'homme au-delà des 5 ou 6 personnes qui sont dans la station spatiale pour y faire des activités qui permettront peut-être, par exemple, de redécoller depuis l'espace et donc de ne pas avoir la contrainte de l'attraction terrestre ? Tant mieux. Si ça reste une sorte d'expérience très limitée pour passer quelques minutes hors de la pesanteur à un coût qui est quand même très élevé, c'est voilà, ma vision de l'espace, elle est plutôt du côté de la démocratisation de ses usages et du fait qu'elle bénéficie au plus grand nombre de terriens. Donc c'est plutôt dans cette partie de l'espace que j'ai mon intérêt. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de cette session. Merci au public.